m'appelle Stéphane Gallet, je suis paysan maraîcher et éleveur sur une ferme de 25 hectares, ici à La Boussac, près de Dol de Bretagne. Nous, on fait essentiellement de la production fromage, mais également une production de légumes, maraîchage bio. On livre exclusivement en circuit court, en AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, et en Biocoop. On cultive une quarantaine de variétés de légumes, des légumes de saison qui sont liés au territoire. Le cheval, il est très adapté à la production maraîchage à petite surface. Il est adapté économiquement parce qu'effectivement les outils sont peu coûteux. L'entretien du cheval aussi est peu coûteux. Il est adapté agronomiquement puisqu'on évite le tassement du sol. Le cheval, il a aussi une place dans ce que moi j'appelle un système agricole, hein, c'est-à-dire un équilibre entre le sol, les végétaux, les animaux et puis nos intérêts à nous, humains. Avant la mise en place de légumes, par exemple, on va faire passer les chevaux, donc ils vont brouter, mais ils vont aussi faire des déjections qui vont nous servir aussi d'amendement pour les légumes. On voit la différence au niveau du sol, puisqu'on va travailler du coup sur sol vivant. C'est très moderne selon moi, parce que ça répond aux enjeux sociétaux actuels, que ce soit en termes de climat, d'environnement, de relations à l'animal, de relations au vivant. Et puis ça répond aussi aux enjeux agricoles à l'échelle de la planète. Il n'y a que 20% des agriculteurs dans le monde qui sont mécanisés. Ce n'est pas souhaitable au niveau écologique et environnemental. Que 80% des paysans du monde accèdent tous à la mécanisation. Donc pour la plupart des paysans dans le monde, la modernité ou le progrès, ce serait l'accès à la traction animale. Donc essayer de faire un effort, un peu de sobriété chez nous, c'est aussi rejoindre aussi les motivations et puis les ambitions des paysans dans le monde. On utilise des savoir-faire paysans qui ont été utilisés depuis toujours pour répondre à des besoins et à des attentes sociétales actuelles. Donc c'est quelque chose de moderne et qui va vers le progrès.